J'ai les dents de brief. Le son, ça va, ça vous écorche pas trop les oreilles? Mais ce bruit de... Trash Night. Le jeu du fin fond des poubelles. Non, ouais, ça sera peut-être bien. Plus tard que jamais, évidemment. Merci, Démi. Alors, un jeu de 116 games. Je sais pas s'il est récent ou pas, celui-là. Je suis tombé dessus par hasard. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, le dernier jeu qu'on a fait de 116 games, il était pas 600... Il était pas 606... 616... Alors, je vais voulu faire un jeu de mots, ça marche. Je veux dire... Il était pas si pire que ça, mais je voulais dire 616, pire que ça, mais j'ai pas réussi. C'est un échec. On est toujours, ceux qui n'ont pas suivi, sur un dev qui se joue un peu à la puppet combo. C'est des jeux un peu vieux jeux VHS-like, etc. Écoutez, on va bien voir. C'est parti. Ouais, les musiques, par contre, elles sont toujours bien. Ça, par contre, il n'y a pas souci. Donc, Trash Night, est-ce qu'on va jouer... Du coup, est-ce qu'on joue un éboueur? Est-ce que le tueur est un éboueur? Est-ce qu'on va finir dans la poubelle à la fin du jeu? Je ne sais pas. Tant de possibilités. Le jeu est long à charger, déjà. Ouais, c'était... C'est pas très bien ce jeu. Tuesday, le 26/03/1997, à 10h22 du soir. Donc 22h. Il est tard, j'ai besoin de rentrer. Ouais, on sort de soirée. Ouais, pourquoi tout le monde pue? Ah non, c'est peut-être pas des mouches. Quoique. Ça va, bro? C'est trop. Par contre, des gueules, c'est pas possible. Lui encore. Bon, il a des gros sourcils, hein. Très proéminents. Mais alors. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, messieurs, c'est compliqué. Monsieur. Vous faites peur. Vous faites tous peur, là, hein. C'est quoi, ça? C'est quoi ce truc sans texture? Mais il manque des textures, non? Je ne sais pas. Rappelons quand même que tous les jeux... Ah, on sort du bar. Tous les jeux de 616 games coûtent 1€. Des fois un peu plus. Celui-là, je crois qu'il était 1€. Donc on sort du bar après une soirée bien arrosée. Et ça, c'est des mouches ou c'est des lucioles? Je ne sais pas. Et c'est une ville... jamais vu des allées aussi taguées, quoi. Même le sol est tagué. Oh là là, c'est... Ces bandes de voyous, là. Ils ont tout tagué. En vrai, street art, assez chouette, en vrai. Hein. Moi, je rentre dans un endroit comme ça, c'est stylé, en vrai. Bon, là, ça fait un peu crade, mais... Mais c'est de l'art, quoi. C'est quoi, ça? Bon, il va m'arriver une connerie. Déjà, il y a un mec, là, qui me bloque la route. Monsieur, puis-je passer? Non, ok, je peux pas passer. Ok, j'ai compris. Ah oui, direct! D'accord. Ok, 11h35. Ah, on va jouer toutes les victimes, c'est ça? C'est de l'art. Ah, là, nous jouerons les boueurs. Collect garbage bag pour marquer... Ah non, sur les points marqués, ok. Ouais, on va chercher des poubelles. Allez. C'est bien, on n'a jamais fait ce travail. Dans les jeux. On en a testé plein et il n'y a jamais eu de simulateur des boueurs. Je ne comprends pas pourquoi. Par contre, j'en fais quoi de mon sac? Je le mets où? Je le mets sur la tête? Ah mais genre, je vais tous les chercher à pied? Normalement, tu avances avec le camion hein, en même temps. Hein. Tu t'arrêtes pas en plein milieu pour aller tous les chercher. Hein. Ah non, mais sinon, ça prendrait 10 plombes. Il est fou, lui. Oh, cette maison... Cette maison à rayures. Bizarre. Du coup, mon pauvre camion.
Close the chat. Ah, voilà. Ça y est. On a fini cet endroit. On peut aller jeter ça. C'est bien des mouches, hein, du coup. Si, si, on l'a déjà fait. Ça remonte bien, non? Ah ouais? On en avait déjà fait un, hein. Ah oui, oui, il se passait des trucs bizarres et tout. Ah oui, 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 oui. Eh, il était pas mal en plus, je crois. Oui, oui, j'ai souvenir. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, je peux conduire. Oh là là, ça va chier les bulles. Oh, regardez, j'ai deux rétros. Ah. Bip, bip. Oh, c'est aussi chiant que dans la vraie vie, le son. Oh là là. Et tourne. Hop. Move. Comment je... Ah, c'est bon. Au volant. Non, au volant. Au volant, mort au tournant. Ne restez pas à côté de moi le jour où je conduis. Vraiment. Hop, hop. La 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 la. Ça change des bus. Ouais, ouais, bah ouais. L'odeur doit pas être la même. Quoic. En vrai. Je suis pas sûr, hein. Les gens, ils sont pas très propres. Hein. Ouais, on traversait une ville pratiquement dans le noir. Ouais, ouais, je me rappelle. Ça me revient. Hop là. Genre, le mec, il est tout seul, quoi. Et il arrête le camion tous les 5 mètres. Ça doit être chiant. Zwip, zwip, zwip. Oula. J'ai mis un moment à freiner. Oh non, mais non, mais je suis allé trop loin. Les buildings, ils sont très, très éclairés. C'est la première fois qu'ils font autant de décors, en vrai. Je crois. Pom, 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 pom. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que là, si le tueur, il arrive, je suis armé, hein, techniquement. Il peut rien m'arriver, hein. Je balance 4 tonnes de poubelles à la gueule. T'inquiète pas qu'il va, il va se barrer, le mec, hein. Entre l'odeur, la chute, le poids des poubelles, et ce qu'il peut possiblement y avoir dedans. Genre du verre, tout ça, tout ça. Normalement, si les gens font le tri, il n'y a pas de verre, mais... Hmm. J'espère que vous faites votre tri, hein, comme il faut. Hein. Moi, je trouve que voilà, c'est pour ça que les jeux vidéo, c'est génial, c'est que ça nous permet d'expérimenter plein de trucs qu'on ferait pas forcément dans la vraie vie. Comme le métier d'éboueur. Ou comme jouer au golf. Oui, heureusement que je peux prendre plusieurs sacs à la fois, ouais, ouais. J'étais en train d'y penser aussi. Hein. Sinon, ça aurait été insupportable. D'ailleurs, ça doit être bien galère, hein, IRL, à les porter. Autant des fois ton perso il veut pas prendre plusieurs sacs à la fois, c'est pas logique. Autant là je comprends que... Regarde-moi ça. J'ai combien de sacs dans les mains. Où Mathis? Le mec avait la flemme de côté du camion qui roule. Possible. Écoutez, pour le moment ça se passe bien en tout cas, hein. Il est où le tueur du coup? C'est peut-être moi le tueur en fait. Hmm. Je entends des bruits de pommes, mais je crois que j'arrivais. Je trie les cadavres dans le composteur et les autres dans la poubelle jaune. C'est bien. C'est bien, c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Oui, vous pouvez massacrer votre voisin tant que vous triez correctement après. Voilà.
Votre voisin a mis la chaîne Wi-Fi trop forte. Vous pouvez le massacrer. La chaîne Wi-Fi. Le mec des travaux s'est encore garé devant votre garage. Oui, vous pouvez le massacrer tant que vous triez. Vous pouvez pas, c'est chez toi. Ah, commencez pas. J'aime bien le bébé qui va apparaître. Oh non. Oh non, non, j'espère pas quand même. Oh, elle est jouée cette maison. Avec les petites fleurs et tout devant. Ouais, on arrive dans les beaux quartiers là, il y a plein de fleurs. Pas autant de fleurs tout à l'heure. Toulou, toulou. Ah, ça c'est maison à rénover ça. Ah, cette maison elle fait vraiment peur, ah oui. Ah oui, t'as les maisons super belles et t'as celle-là là qui fait maison hantée un peu. Go to the bright stop. Mais pourquoi je vais à la maison? Quelle idée de merde. Sa maison. Ah, du fameux du très célèbre serial killer qui est le tueur au couteau. Ça fait peur. Doit être le tueur le plus cruel qui a jamais vécu. Torturer ses victimes avant de les tuer. Et il a fait ça pendant des jours. Il gardait les gens en vie et les torturait le plus possible par tous les moyens. Sa marque de fabrique, c'était de laisser. D'enlever plutôt la peau sur le visage de ses victimes. Et après, il les plaçait sur son propre visage pour faire un masque. Voilà. Non, mais ça doit être hydratant ou j'en sais. Non, c'est pour resserrer mes pores en fait. Voilà, c'est de la torture psychologique et physique. Après, certaines plaintes des voisins, la police est venue dans la maison du tueur pour enquêter. Et la scène de crime était vraiment horrible. Le sergent a décrit cet épisode comme l'enfer de l'humanité. Le tueur a été identifié, Joseph Johnson, un homme de 42 ans, sans famille. Il n'a jamais été capturé et continue d'être le meurtrier number one aux États-Unis, qui est encore recherché. Ça s'est arrivé il y a 9 ans, il n'a jamais été revu depuis. Certains disent des fois qu'il le voit errer. Bon, on l'a jamais vu rentrer de nouveau dans cette maison. Oh, c'est mon opportunité géniale pour aller prendre des photos de la maison! Et essayer de commencer ma carrière de photographe. Quelle idée de merde. J'ai juste besoin de prendre quelques photos que personne n'a eu le courage de prendre. Je suis fatigué de ramasser les poubelles des autres. Ouais, tu peux faire des photos d'autres choses, mec. Hein. Heureusement que j'ai pris ma caméra dans le camion. Allons-y. Non mais tous les mecs et les nanas là qui sont dans des jeux d'horreur, ils ont jamais vu de film d'horreur en fait. Vraiment hein. Take photo. Hein. Ouais. Je veux prendre une photo de mon beau camion. Ah non, ce n'est pas bien. Mais si, c'est très bien. Ça c'est le boulot que je fais avant de mourir. On va prendre une photo de la maison, du coup. De dehors. Avec cette belle poubelle. Oh non, ce n'est pas bien. Okay. Ah oui, comme ça, carrément. Carrément. Photo de la porte de la scène de crime. Oh non, ce n'est pas bien. Ah mais arrête de critiquer, quoi. J'utilise mon art comme je le souhaite. Peut-être que je peux passer par la porte du garage. J'ai pas vu de porte de garage. Où t'as vu une porte de garage? Ah putain, je suis coincé dans l'arbre. Attends. Mec, la maison abandonnée, tu viens de ramasser la poubelle, tu as deux neurones. Oui, c'est vrai.
C'est vrai que s'il y a des poubelles dedans, c'est qu'il y a peut-être encore quelqu'un dedans. Ah, je crois que c'était marqué LOL dessus. Prenez des bonnes photos dans la maison. Ah, des bonnes photos. Mais qu'est-ce que des bonnes photos ? Oh, il y a encore des traces de sang sur le sol. C'est indescriptible. Il doit y avoir des corps qui ont pourri. J'ai pas eu le temps de finir de lire. Bah, tu veux prendre un petit peu de sang en photo ? Oh, good photo ! Trop bonne comme photo. Là, avec l'angle et tout, on sait pas du tout dans quelle maison tu es. Ça aurait pu être du ketchup par terre, ça aurait été pareil. Mais c'est une bonne photo, tu as raison. Il a cuisiné des pièces des victimes pour les manger. Faut que je prenne une photo. Non, moi je prends une photo des produits. Oh. What? Attends, mais c'est vrai qu'il faisait la cuisine? Je sais pas, je vais comprendre. Non, mais. Ouais, bah si, mais c'est là la cuisine. Bon, alors la table où il a dégusté des pancréas. Mais non. Je te dis que je suis un bon photographe, arrête de me critiquer. Hein. Ça suffit. Oh, wouah, c'est la pire pièce de la maison. C'est là où il torturait ses victimes. Sur cette chaise. Prenons la chaise en photo. Est-ce qu'on voit la tronçonneuse dans l'angle? On voit la tronçonneuse. Mais non, mais t'es nul. T'es nul à chier, t'y connais rien. Tais-toi. Mais... Elle était parfaite cette photo! Mais! Alors, ça, il faut pas y prendre en photo, quoi. Et là, c'est là où il démembrait les corps qu'il avait trouvés. D'accord. Oh, il m'énerve! Alors, genre la pièce, la pire pièce où il y a encore du sang par terre, la chaise où étaient posées les victimes avec la tronçonneuse à côté, c'est une mauvaise photo. Par contre, la salle de bain avec la baignoire qui est immaculée, c'est une très bonne photo. Tout va bien. Mais genre, what the fuck? N'importe quoi. C'est là où le tueur dormait dans le lit. Ça, c'est étrange d'être ici. Prends ta photo. Bonne photo! Bon! Mais c'est un fantôme? Oh, c'est là les chiottes sur lesquelles le tueur lâchait des pêches. Ah non, c'est pas une bonne photo. Oh, c'est bizarre. Madeleine Buddy. Ah, le corps de Madeleine a été trouvé dans cette pièce. Ah, c'est un enfant qui avait tout juste 7 ans. Elle avait disparu depuis 7 mois. C'était si triste. Eh ben du coup, c'est pas une bonne photo. C'est la pièce où elle a été trouvée. Oh putain, mais il m'énerve. Tu m'énerves. Michel, tu m'énerves. Je peux pas rentrer dans cette pièce. Je vois mon camion d'ici. La liberté que je ne retrouverai jamais plus. Mais si, c'est une très bonne photo. Non mais je sais pas, tu veux que je prenne quoi en photo, mec? Il manque encore deux photos. Ces escaliers qui sont très étranges. Genre, si tu te réveilles en pleine nuit pour les pisser, faut pas le louper quoi, parce que... Si tu te pètes la gueule, c'est pas cool. Mais je pense que c'est pas normal que j'ai pas pu prendre de photos de cette pièce. Ça a dû bugger. Hein. Ah, voilà. Il fallait prendre sous l'angle exact. Et je pense que ça doit être pareil dans cette pièce. Voilà. Ok, j'ai pris assez de photos. L'énergie de cet endroit est terrible. On va rentrer à la maison pour regarder nos photos. Mais vais-je arriver à rentrer chez Mouy? Genre pour de vrai, je vais réussir. Étrange. Ils ont tué dans un quartier riche. Il a quand même dû baisser le prix des loyers aux alentours. Ouais, grave. Fuck. Bonjour. Oh, mais c'est Jérôme. Ah, je suis désolé. Je voulais pas vous faire peur. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, pardon, monsieur. Je prends juste quelques photos. La photographie est ma passion. N'avez pas peur du tueur? Il est peut-être encore là. Personne ne l'a attrapé. Cette tête. Ah, regardez, c'est la même tête. Mais avec la moustache. Attendez, avec la moustache. Attendez.
C'est la même tête. C'est toi le tueur, Jérôme. Ah, c'est peut-être lui, ouais. Je voulais juste prendre des photos de la maison. Est-ce que vous êtes un voisin? Non, je vis pas très loin d'ici. Je viens ici tout le temps. J'aime les endroits morbides. Se fumer un joint et boire. D'accord. Je t'ai rien demandé. et vous fumez, bro? Non, merci. Je rentre chez moi. J'ai fini de travailler. Passez une bonne nuit. Et si vous voulez un dernier conseil, continuez à travailler en tant qu'éboueur. La photographie peut vous tuer. Non, mais c'est clairement lui le tueur, quoi. Genre, il est trop chelou. Tu veux pas le prendre en photo? Tu devrais, hein. Genre, le mec, il vient ici pour fumer des joints et... Ce gars doit être fou. System of Night. Ouais, voilà. À tous les coups, c'est lui le tueur. C'est sûr. Jérôme, tu as un nom d'enfant. C'est vrai que son pull, en plus, ça aidait pas. Mercredi. 2h35 du matin. Est-ce que j'ai regardé mes belles photos? Ouais, j'ai pris en photo des fleurs. Des tarses. Home sweet home. On va révéler les photos. Oh, j'ai une chambre rouge. Noire. Ouais, je dis à chaque fois ça. C'est quoi cette pièce? Waouh, mais c'est crade chez moi. Okay, pourquoi il y a un vieux drap devant les chiottes? C'est pas génial quand même. Hein. C'est pas très feng shui l'ambiance ici. Hein. Chambre noire. Ouais. J'adore l'ambiance de ces pièces. Ça, si j'avais une maison abusivement grande et que je pouvais, genre... Genre, il y avait une pièce, en fait, où je me disais, vas-y, je peux l'utiliser, elle me sert à rien. À rien d'autre. J'en ai vraiment pas... parce que j'en ai plein d'autres. Et ben, je ferais une chambre noire. Je pense pas que j'en aurais beaucoup d'utilité, mais je trouve tellement l'ambiance de ces pièces. Genre, c'est... T'as l'impression d'aller dans un autre monde, c'est trop bien. Juste parce que l'ambiance est rouge, mais je sais pas, tu développes des photos et tout, je sais pas, c'est cool. Je sais pas, j'aime. Je vais me coucher. Ok, c'est les photos. Je les ai pas bien révélées, hein. Si tu veux mon avis, elles sont un peu floues. Hein. Mais tu vois, il va venir pendant la nuit, il va faire « Eh, très bonne photo !» Il va me prendre en photo pendant que je dors. Ah, mais j'habite dans un immeuble. Peut-être suis-je en sécurité, alors. J'en ferai un dressing. Non, mais... Si vraiment, tu vois, j'ai pu faire toutes les pièces que je voulais avant, tu vois. Genre un grand bureau, genre une pièce juste pour lire, avec une grande bibliothèque et tout. Une pièce genre pour faire du sport, oui, voilà. Genre, tu vois, ça serait vraiment le dernier truc que je ferais, parce que je sais que je m'en servirais pas souvent, je pense. Mais juste pour le délire, tu vois. Juste le délire d'avoir une pièce comme ça, quoi. Ah, bonne journée! Attends de voir si mes photos sont bien. Et t'éteins pas la lumière. Oh, bravo. Photos ont l'air bien. Something I think is crazy. J'ai l'impression que je suis fou. Pourquoi? Ici. Je suis un bon photographe. Mais je sais pas pourquoi je travaille comme éboueur. Bah, je sais pas non plus. T'as qu'à arrêter. Qu'est-ce que je te dise? Et j'en fais quoi de mes photos? Qu'est-ce que je fais de mes photos? Ah. Fais rêver la maison de tes rêves. Ah ouais. Ça serait une maison très très grande, quoi. Par contre. Genre, tu vois, ce serait la maison, genre, t'as une pièce par hobby, par passion. Genre, une pièce pour la photographie, une pièce pour la lecture, une pièce pour dessiner, genre, un vrai atelier où tu fais que peindre et tout. Une pièce, bah, comme mon bureau, là, de streaming et tout. Oh là. Ce serait trop bien. Jérôme, tu veux une photo, c'est ça? Parlez. Bonjour, on s'est rencontré la nuit dernière à la maison abandonnée. Oui, je me souviens. Vous avez un truc vers l'œil, là? C'est du sang ou... Bonjour, oui, je me souviens. Comment vous m'avez trouvé?
Ah, j'ai vu un papier. Je l'ai vu sur le papier. Vous êtes un photographe, n'est-ce pas? Oui, je fais des petits boulots de photographe. Vous avez besoin de quelque chose? J'étais celui qui vous a viré pour avoir pris des photos à la maison du serial killer. Oui, mais, non, mais je me souviens, on s'est vu hier. Est-ce que vous êtes Jérôme? Pourquoi vous me l'avez pas dit hier? Je suis un homme discret. Est-ce que mes photos sont prêtes maintenant? Ah, genre, il veut les acheter. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez me les donner? Oui, c'est prêt. Je vais vous les donner. Ouais. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ouais, bah tiens. Ouah, c'est vraiment bien. Ces photos sont vraiment incroyables. Est-ce que vous aimez les photos? I took them, you're asking me. Ah ouais, c'est les pièces les plus morbides de la maison. Ah, j'adore les photos, c'est un peu étrange, mais j'aime les choses morbides. Ah, je suis content de l'entendre. Si vous avez besoin encore de mes services, juste passez-moi un coup de fil. J'aimerais en fait plus de photos. Je suis fascinée par l'histoire du tueur au couteau. J'aimerais plus de photos de la maison. Ah, bien sûr, je peux aller prendre plus de photos maintenant. Faut juste que j'aille récolter quelques poubelles d'abord. Maintenant, non. Je veux des photos pendant le coucher du soleil pour avoir un aspect un peu plus sinistre. S'il vous plaît, prenez quelques photos de l'extérieur de la maison aussi. Ok, pas de problème. Demain, vos photos seront prêtes. Non, mais Jérôme, il est so chelou, hein. Jérôme, il est très très chelou. Et toi, t'es très, très très chelou de pas voir qu'il est très très chelou aussi. La tête des chiottes, pardon, mais. Il y a un problème, hein. Bon, du coup, je fais quoi? Je vais regarder la télévision. Ok, il doit y avoir le journal. Coucou Marco! Joyeux mois anniversaire! 16e mois, merci! Tu vas bien? C'est les infos. Ah, le corps d'une fille de 19 ans a été trouvé ce matin. Un sans-abri a trouvé le corps et a immédiatement appelé la police. La police continue d'investiguer sur la scène de crime. Et t'as même pas payé pour les photos développées, par contre. Eh oui, c'est vrai. Ah, ben oui, mais on est un peu con quand même. Guys, avec comme Freddy Krueger, il manque le Fedora. Oui. Attends, mais le Fedora, tu sais que c'est des trucs genre méga grands, non? Du coup, ça me fait trop rire, j'imagine. Freddy Krueger avec un chapeau, quand même. Ou alors je me trompe. Attends, peut-être je me trompe. Peut-être me trompe-je. Mince. Ah! Ah non, j'imaginais. Ah non, ça va encore. Non, non, ça va, c'est des chapeaux normaux. Mais j'imaginais. Comment ça s'appelle les grands? C'est les grands, grands. C'est celui qu'il y a là dans RE8 machine là. Oui, non, là, ouais, oui, ça, là, c'est chapeau standard, quoi. Mais c'est pas celui-là. En fait, quand t'as dit ça, bah, je m'imaginais celui de Lady Dimitrescu, tu vois. C'est le chapeau énorme. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, ça m'a beaucoup fait. La jeune femme a été torturée avant qu'elle meure. Ses yeux et ses viscères ont été enlevés de son corps. Pour le moment, la police a seulement un suspect, le fameux tueur au couteau, parce que un couteau a été utilisé sur la victime. Chapeau de dandy. Ouais, ça, voilà, c'est vraiment horrible. Le tueur au couteau serait de retour après 9 ans d'absence. Ou alors c'est quelqu'un qui. C'est un copiteur. La description d'un homme de 39 ans. Qui est. Ouais, qui. Bah, il n'avait pas 42 ans. Ouais, c'est presque pareil. Qui enlève le visage des victimes pour faire un masque et qui attaque toujours avec un couteau. La police offre une récompense de 5 000 $ pour toute information sur le tueur.
Faites attention quand vous baladez en pleine nuit. Faites que Dieu vous protège. Oh non, et moi je vais sortir en pleine nuit. Non. Il faut que j'aille faire dodo. Ok. Eh oui, on travaille de nuit du coup. Un capelin ? Je sais pas comment ça s'appelle, les grands chapeaux comme ça. Genre, il y a que lui qui peut faire ça. Ou bah oui. Il y a qu'un tueur au couteau. Surtout que le couteau, c'est pas comme si c'était une arme qui était qui est quand même très utilisée. Genre, ça serait un tueur au parapluie, tu vois, j'aurais compris, mais là, le tueur au couteau... Ah, ça doit être lui. Ah, il faut que j'aille travailler, je déteste cette merde. Bon, je peux comprendre que tu sautes pas de joie, mais bon, tu peux changer de travail aussi, hein. Tout est possible, mon ami. Allô ? Oui ? Je suis dans une poubelle, je vois plus rien. Il est jeudi, 2h20 du matin. Jérôme a un problème avec son visage. Pardon, je voulais juste dire que Jérôme est moche. Jérôme n'a pas arrangé son visage, c'est possible. J'ai fini avec mon boulot, maintenant allons prendre des photos. Ah, j'ai cru que j'allais encore ramasser les poubelles, mais merci. Je confesse que j'ai un peu peur. Alors déjà, il m'a dit de prendre des photos de l'extérieur. Prenons quelques photos de l'extérieur. Oui, voilà. Tout à fait. Ah, la maison est bleue. Il faut que je prenne d'autres photos. Non, c'est pas bon. Oh là. M'embête, hein. Prends une photo de la du derrière de la maison. Ouais. Bon, bah maintenant, je suppose qu'on rentre. Genre, mais le garage est grand ouvert maintenant. Ça t'inquiète pas. Maintenant, je prends quoi comme photo? Parce que j'ai un peu tout pris la dernière fois. Hein. Je peux prendre cette belle toile d'araignée, là. Oh. Ce beau placard sur rien. Sûrement sur les backrooms. Ou alors genre refaire des photos du dehors. Dehors. Ah, c'est ouvert. Hein. Ah, cette pièce mérite une autre photo. Avec la tronçonneuse cette fois. Je joue le tueur. Ah, ça c'est rigolo. Je dois avoir un masque de chair sur moi pour resserrer mes pores. Et j'ai mon beau couteau. Et je respire comme Dark Vador. Ouh, une proie. Viens là, proie. Oh, j'ai deux couteaux. La 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 la. Oh putain. Ah ouais, mais j'ai deux couteaux. J'ai un Yamakasi du couteau. Allez, plus qu'une photo et je m'en vais, je suis fatigué. Une photo de quoi? Une photo de où? Photo de la chambre? Non. Bien, au moins on sait où il est, ouais, mais on sait pas exactement où c'est non plus. C'est le problème. Ah, oh, mais on avait pas vu cette pièce. Ah, c'est le frigo où il gardait les morceaux de corps de ses victimes. Trop bien. Jeudi, 3h40. Oui, c'est long. Oui. J'ai vu qu'on était jeudi. Je vais révéler les photos et aller me coucher. Putain, je suis toujours pas mort, quoi. Ça va bientôt être le matin. On révèle les photos. Mais, mec, il est con, il a pris le révélateur en photo. C'est pas ça qu'il faut faire. Jeudi, 8h30 du matin. Il pleut.
allons voir mes belles photos. Avant que Jérôme n'arrive. Hey ! Les photos sont pas mal en vrai. À part qu'il n'y a pas l'ambiance bleutée, ce qui est un peu étrange. J'ai plusieurs appareils photo et tout. Il a rien dit, il a pas dit « Oh, je suis content ». J'ai pris des chiens en photo. Bon, Jérôme va pas tarder. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah, il est là, il est là. Oui, Jérôme? C'était vraiment dégueulasse, Jérôme. Ah, bonjour, j'espère que mes photos sont prêtes. Bonjour, oui, elles sont prêtes. Quel est votre vrai objectif avec ces photos? Ah, j'ai dit que j'adorais les choses morbides et le tueur au couteau est toujours là dehors. J'espère le rencontrer un jour et lui dire comme j'admire son histoire. Oh, ce n'est pas du tout bizarre, Jérôme. Chacun ses héros, voyons. Est-ce que vous êtes fou? Il va vous tuer. Il tue tous ceux qui sont sur son chemin. Ah, je m'en fiche, ma vie n'est pas intéressante. Tout ce que je veux, tant que je peux être dans les newspapers, dans le journal. Vos photos sont sur la table. Rentrez, je vais vous servir à boire. J'ai une proposition d'emploi. Oh, merci, ami. Et si vous trouvez le tueur, vous aurez une récompense. Attends. J'ai entendu qu'il y avait 5 000 $. Ah oui, qu'on pouvait... Ah oui, pour toute information sur le tueur. Oui, on peut faire ça ensemble. Venez, prenez un siège. Je vais vous offrir une bière. Mais pourquoi tu veux travailler avec lui alors qu'il est ultra chelou? Il est con. Coucou Angel Mayou, merci pour le raid. Waouh, je vois les morceaux de... Les morceaux de chair du tueur. Comme le frigo. Chez lui. Ou alors c'est moi le tueur. Je ne sais pas. J'ai des hallucinations ou c'est moi le tueur? C'est peut-être moi le tueur en fait. Bonsoir le raid. Coucou Pompon, coucou Angel. Ah, du coup, vous aimez mon travail, je suis heureux. Ah, tous les coups, c'est lui, en fait. Ah oui, vous êtes bien, les photos sont super. Non, je ne parlais pas de ça. Ouais, c'est moi. On a juste un problème. Je n'aime pas les gens curieux. On va pouvoir le torturer. Notre bière ? Je sais pas pourquoi il se passe à rien. Empoisonnement. Bah non, on le doit torturer maintenant. Normalement, on l'a pas tué direct. Et du coup, là, c'est juste une couverture, les boueurs. Oh, mon visage de chair pour resserrer mes pores. Il a choisi les boueurs pour rien. Moi, je pense que c'est juste pour faire genre, en fait. Mais du coup, c'est vraiment moi ou je suis un copycat? Enfin, ça doit être vraiment moi, je pense. Ça fait 9 ans que je suis éboueur pour me cacher. C'est un peu con, quand même. Je fais quoi? Je sors dans la rue? Je vais m'amuser un peu? Non? Ah, il est là, voilà. Avoir des informations de Jérôme. Ah, je savais que c'était toi, j'étais sûre. Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu veux me ramener à la police et avoir l'argent? Je ne te dirai rien, espèce de cochon. Mais c'était pas ton souhait de me rencontrer? On va savoir. Ah, tu vas le faire, tu vas tout me dire. Coup de couteau, couteau. Coup de couteau. Ouh. Oh, je peux pas choisir la fourchette. Fourchette dans l'œil, là. Ouais, non, pas les yeux. Non, les yeux, c'est dégueulasse. Torturé. Attention, ça va piquer. 3, 2, 1... 8. Eh, comme dans du beurre, t'as vu? Ça commence fort, la torture, quand même. Il a déjà un couteau planté dans l'épaule, quoi. Espèce d'enfoiré. Je vais te tuer, espèce de monstre.
Pourquoi tu étais après moi? Je ne sais que c'était pas pour la récompense. Zut. Je ne te dirai rien du tout. Ah, du coup, continuons notre jeu. Oh, les fourchettes. Oh, je vais faire quoi avec la fourchette? C'est sûr, c'est pour l'œil. J'y ai pensé direct, c'est sûr, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est ça. Paf. Bah oui. Oh, c'est passé à travers les lunettes. Trop fort. Ah. Ah, ça me dégoûte un peu quand même. Non, mais c'est, même si c'est mal fait, les yeux, j'aime pas, moi. Moi, j'aime pas les yeux. Espèce de fils de biche. Tu moi une bonne fois pour toutes. Pourquoi tu étais après moi? Est-ce que tu es de la police? Non, espèce de bâtard. Tu as tué mon frère. J'ai juré à Dieu que je te tuerais. Oh, une revanche. Ton frère a pissé le sang comme un cochon. Ah ah. Rendons ça un peu plus intéressant. Allez, la tronçonneuse et le marteau. Ils sautent des étapes. Les voisins entendent pas. Surtout la tronçonneuse, tu vois, dans un immeuble. La tronçonneuse, je pense que tu l'entends quand même. C'est pas très très discret. Mais que fait le voisin à 2h du mat avec sa tronçonneuse? Allez, une petite jambe en moins. Mais du coup, son plan au mec, il était un peu nul, quoi. Il se doutait que c'était moi le tueur, il accepte une bière de ma part, il rentre chez moi et tout. Ah zut, je voulais jouer avec toi un peu plus. Mince, j'ai pas le temps de lire. Bah ouais, bah tu lui coupes une jambe, forcément, il tient pas longtemps après. Hein. Ça pisse le sang. Hein. Ah, quelle belle vue. Ah, il est tout mouru là, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être nettoyer un peu, non? Ou se barrer, hein, parce que là, je pense que les flics, ils débarquent dans pas longtemps. Allez, un petit pipi au lit. Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, du coup? On prend une petite photo? Une petite photo? Eh, petite photo serait à propos. Non? Eh, c'est pour ça qu'il y a des récompenses avec ma tête. J'ai fait ça. Juste à côté de mon lit. Quoi? Ah, tu n'espérais pas ça? Tu t'attendais pas à ça, plutôt? Brûle en enfer, espèce de fils de biche. J'ai pas essayé d'esquiver, j'ai fait. J'avais le temps, quand même. Fenêtre ouverte, en plus. Pourquoi il y a une jambe sur la table? J'ai mangé sa jambe. Il m'a raté, j'ai mangé sa jambe. Ah non, il s'en est sorti. Mec, il a un œil en moi, une jambe en moi. Ah, et du coup, il a des sous, donc il a eu la récompense. Et maintenant, ça va être moi le tueur. Ah, j'ai hâte d'utiliser ce masque pour resserrer mes pores et avoir une peau beaucoup plus hydratée, moi aussi. C'est pour ça que maintenant, ça sera moi le tueur au couteau. C'est plot twist. Mais avec une bonne musique, ça passe toujours. Ah, ça me fait rire. En fait, les jeux sur cette game, je les aime beaucoup parce que... Enfin, je les aime beaucoup. À part quelques-uns. Mais c'est des jeux qui sont pas ultra bien. Mais pour lesquels j'ai beaucoup d'affection quand même. Quand ils sont bien comme celui-là. Parce qu'ils sont drôles, en fait. Vraiment, c'est des nanas. Et c'est fait exprès, hein, pour que ça soit du nana. Mais du coup, c'est marrant. C'est quand même drôle.